Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Localement, moi, je connais les gens que je connais à la DDT, ils ont fait la terre. Mais c'est gênant d'avoir à se manipuler sur cette question de prédation. Nous sommes Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il y a, ça me tient à cœur aussi, et je suis un peu effaré, plus ce combat, on travaille, et plus on voit qu'il y a une emprise sur la vie privée. Alors la dernière en date, qui est quand même très très caractéristique, c'est que je vous annonce que vous avez été filmé, en venant ici, sur la voie publique. Parce que on est déjà filmé dans l'église, qui est quand même, l'église appartient à la commune, donc c'est quand même un bien communal. Mais on est filmé, il y a des caméras, et il y a des caméras bien sûr qui surveillent le chantier, bon ça, on peut trop rien dire, mais depuis hier, il y a une caméra qui vous a filmé là sur la départementale en passant le pont, une caméra qui est au-dessus, en toute illégalité, puisque des privés n'ont pas le droit sur un bâtiment privé de filmer la voie publique. Donc ça, c'est le dernier exemple en date. Et qui monte en procession à la Vierge là-haut. Donc là, on est là, on est une sono, on va essayer de prendre la parole et de vous laisser la parole, voilà, discuter un peu. Et aussi vous dire qu'on a une présence là-haut à côté de la Vierge. Et du coup, on a monté cette nuit un grand totem en bois sur l'écologie, le totem de l'écologie qui trône à côté de la Vierge. Et du coup, voilà, il y a deux endroits pour la manifestation. Il faudrait éventuellement, en fait, une cinquantaine, 70 personnes qui montent là-haut avant la procession pour faire nombre sur la zone qu'on a délimitée à peu près là-haut. Qui est sur un terrain privé, hein. Donc pas dépasser cette zone, mais voilà. Et puis d'autres personnes qui restent ici et qui accueillent la procession des religieux. Et voilà, alors, ce qui est important, vraiment important, c'est d'être silencieux, c'est de leur laisser pratiquer leur culte. On voudrait, je pense qu'ils vont racheter des terrains, des maisons sur Montpezat, sur Chirol, ailleurs. C'est pour ça que c'est un combat qui dépasse la Saint-Pierre-Trois-Lombiers, la vallée de la Bouge, mais qui infiltre tout le tissu social de nos vallées et de la région. Le deuil aussi de la démocratie locale, et c'est pour ça qu'il y a le baillon rouge qui symboliserait la démocratie qui est,
qui est bafouée. Hein. Les citoyens n'ont encore une fois ici, comme ailleurs, pas eu droit à la parole. Qu'il faut arrêter toujours ce progrès, entre guillemets, dans le bétonnage, qu'il faut arrêter de bétonner à droite, à gauche, partout, et qu'il faut maintenant laisser les espaces sensibles, naturels, un peu tranquilles, car ils ont déjà bien souffert. Et donc, mais il y a l'emprise sur le social. Et moi, qui étant de Montpezat, je découvre ici à quel point l'emprise sociale de cette communauté religieuse sur le village est importante. Il faut le dire, moi j'ai pas peur de le dire, il bourre les urnes depuis 2001. Le maire, monsieur Fargier, a été élu avec 115 religieux, juste des religieux, tous domiciliés au même endroit au presbytère, alors qu'effectivement il y en a 30 ou 40 peut-être qui vivent à l'année, ils ne veulent pas précisément nous donner les chiffres. Donc voilà, il y a un bourrage d'urnes de gens qui ne vivent pas là, qui ne font pas partie de la communauté ici, mais qui votent. Des milliers de tonnes de béton dans les rives de la Bourge, on n'en veut pas. On a face à nous une urgence environnementale, une urgence climatique, et on ne va pas venir dépenser du CO2 pour installer un complexe touristico-religieux ici, on n'en a pas besoin. Voilà, donc tous ensemble, on va gagner, on va essayer de trouver comment arrêter ça de manière juridique. Et s'il le faut, on sera là pour que ce projet n'aille pas jusqu'au bout. Merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alain Gibert, vice-président du parc des Monts d'Ardèche. Je suis là à titre personnel, puisque je n'ai pas été mandaté par le parc des Monts d'Ardèche pour venir aujourd'hui. Mais je peux vous donner quand même quelques infos. Donc, nous avons été extrêmement surpris de ce permis de construire. Nous n'avons absolument pas été consultés. Comme vous le savez, ça a déjà été noté dans la presse. Donc le parc, à l'exécutif, nous avons décidé de consulter un avocat spécialisé dans l'environnement. Puis ce projet qui aurait dû être consulté au niveau de l'environnement, qui ne l'a pas été. Alors le parc qui a dans sa charte, il y a obligation d'être consulté, donc on a été complètement chanté par l'État, par le maire, par le préfet qui a signé sans notre avis, ce qui est absolument scandaleux. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je passe la parole à mon ami, qui est l'élu le plus près d'ici. Stéphane Ginevra, maire de Chirol. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Si ce n'est que nous non plus, on a appris simplement que le permis avait été délivré un peu plus tard qu'il a été signé, donc on n'a rien pu faire, personnellement, en tout cas, et c'est bien dommage, on aurait dû réagir bien avant. Voilà. Oui, bonjour, Bernard Cros, adjoint à la Bastide-sur-Bézorgues, juste à côté. J'imagine si nous, sur la commune d'à côté, donc sur la Bézorgues, on avait une telle construction, je ne vois pas comment on pourrait imaginer ça. Donc, penser que des esprits puissent imaginer construire un tel édifice, c'est inenvisageable. Je ne vois pas comment. Et que les services de l'État, en la matière, n'aient rien fait et laissé passer ça, c'est inadmissible. Quand on pense que 2-3 jeunes qui veulent construire mettent une urne dans un champ, on va aller les embêter, mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Marchez pas.
Ah, yeah.